Excellences, mes chères sœurs, les premières dames, honorable présidente du Parlement, Excellences, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le président de la Fondation Merck, madame la directrice de la Fondation Merck, chers partenaires, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un plaisir ému que je prends la parole devant cette auguste assemblée pour exprimer toute ma joie en tant que première dame de Centrafrique, la joie de rencontrer mes sœurs premières dames à cette 4e édition 2017 de Merck Africa Asia Luminary. Permettez-moi tout d'abord de m'acquitter d'un devoir, celui de remercier très sincèrement la Fondation Merck pour m'avoir invitée ainsi que ma délégation à cet événement spécial de haut niveau. Je saisis cette opportunité pour exprimer également ma gratitude à Son Excellence Madame El Sisi Entissa Amer, Première Dame de l'Égypte, au gouvernement, aux personnalités égyptiennes pour leur accueil très chaleureux. Je souhaite la bienvenue à nos amis d'Asie qui participent pour la première fois à cette conférence. Ils apprécieront, j'en suis persuadée, les sessions éducatives et la mise en réseau avec leurs pairs africains. Dans le cadre de cette concertation, il m'a été demandé de partager avec mes sœurs et les différents partenaires l'expérience de mon pays sur l'autonomisation des femmes victimes de stigmatisation et de discrimination du fait de leur infertilité développée en République centrafricaine en partenariat avec la Fondation Merck. En effet, la Fondation Cri de cœur d'une mère que je dirige a pour mission principale de s'assurer que chaque femme et chaque famille jouissent du bien-être en matière de santé sexuelle et de reproduction, y compris l'accès aux services pour la lutte contre l'infertilité et pour la protection et la promotion de leurs droits, sans oublier la lutte contre le VIH et le sida. Mesdames et messieurs, distingués invités, mon engagement personnel dans le domaine de l'assistance aux femmes et dans le domaine de la santé de la reproduction est inconditionnel. C'est ainsi qu'à la 3e édition à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en octobre 2016, j'ai été désignée ambassadrice pour la campagne Merck plus qu'une mère. Ensuite, du 18 au 27 janvier 2017, une équipe de Merck est venue en République centrafricaine pour former les femmes infertiles victimes de stigmatisation. À cette occasion, 70 femmes ont été identifiées grâce aux outils d'identification développés par Merck. Ces femmes ont par la suite bénéficié d'une formation et d'un appui matériel dans le cadre d'une activité pilote de la campagne « Plus qu'une mère » qui était couplée avec la cérémonie du lancement officiel des activités de la Fondation Cri de cœur d'une mère. Vous conviendrez avec moi que dans le contexte actuel de mon pays, c'est un très bon début. Et de la manière graduelle, la Fondation passera à l'échelle en utilisant les meilleures pratiques et en se servant des championnes. Je voudrais porter aussi à la haute attention de l'assistance que dans mon rôle d'ambassadrice, la Fondation Merck m'a fait l'honneur de m'inviter à Nairobi et à Kampala en vue de parrainer le lancement de cette campagne en faveur des pays d'Afrique francophone, au cours duquel 1 000 femmes infertiles ont été mobilisées.
que la Fondation trouve ici l'expression de toute ma profonde gratitude. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'appui de Merck revêt une importance cruciale pour la République centrafricaine. De ce fait, le gouvernement centrafricain suit avec un grand intérêt toutes les actions que la Fondation Cri de cœur d'une mère développe en faveur des femmes victimes de stigmatisation et de discrimination due à leur infertilité. La présence effective du ministre de la Santé et de la population de mon pays à la présente concertation de haut niveau témoigne de cet engagement politique. Pour ce domaine, je me réjouis déjà de l'engagement de Merck pour avoir accepté de financer la formation de deux médecins centrafricains en oncologie et en embryologie. La mobilisation des communautés dans la perspective de mettre à échelle le programme pilote amorcé dans le pays. L'organisation des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer en faveur des femmes des autres pays d'Afrique francophone. Pour terminer, je réitère ma profonde gratitude à la Fondation Merck pour tout l'appui qu'elle ne cesse d'apporter à nos pays africains en général et à la République centrafricaine en particulier. Je vous remercie.